Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la suite de Nox, je suis Aelus. La dernière fois, petite introduction d'une vingtaine de minutes pour vous expliquer notamment l'interface de jeu. Nous avons commencé le jeu en étant dans la classe la plus facile, à savoir le guerrier. Grosse force, pas de mana, mais pas mal de vie techniquement. Et après avoir fait la quête initiatique, nous allons commencer le jeu avec un donjon où nous allons devoir combattre. Sachant que actuellement, ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai oublié de le faire, c'est pouvoir acheter un équipement un poil meilleur, parce que si je regarde mon arme, 5 de dégâts, c'est pas énorme, et ma défense est pas ouf. Que 30 de défense, je ne vais pas m'en sortir, je vous l'avoue. Pour ce qui est, par contre, je suis content de l'interface, j'ai réglé ce problème. En fait, il faut que j'aille dans les options et régler l'affichage avant de lancer le jeu. Donc, on y va, on continue. Au rang 12, voici une nouvelle recrue qui souhaite ajouter à la gloire des chevaliers ardents. Bienvenue, jeune candidat. Je suis Orandous. Entrer dans le donjon est un grand honneur. Ton échec ferait peser le déshonneur sur nous, ainsi que sur ta propre personne. J'espère que tu ne me feras pas un tel affront. Ici, déshonneur rime avec mort. Va maintenant, et montre-toi digne de l'ordre des chevaliers ardents. Ah, d'accord, d'accord. Alors, juste avant, je vais bouger les voix. Je vais t'enseigner le vrai sens. Voilà, tais-toi. Est-ce que je peux aller par... Non, je peux pas aller par là. Ok. Alors, une sauvegarde rapide. Voilà. Et c'est parti. J'espère que tout va bien se passer. J'espère. Vraiment. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Ok, ok. Ça me fait un peu peur, tout ça. Première salle. Voilà. Oula. Ah, j'aime pas bien ça, ça fait très ça fait pas donjon. Qu'est-ce que bienvenue, tu arrives juste à temps. Avance-toi et observe le candidat suivant participer à l'épreuve du donjon et ajouter à la gloire des chevaliers ardents. Allons assister au spectacle. J'espère que tout se passera bien. Ok, j'en ai assez. Ah, c'est dommage. Bien, c'est à ton tour. Bonne chance. Je suis pas trop certain. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, il y a des pièges. Oh. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai ramassé? Quoi, une armure? Ouh, j'ai ramassé une petite armure là. Trop bien. À 141 d'armure, mais 50 poids, ça picouille un peu. Il n'y a pas d'autre objet. Alors, attention. Ok. Ok, et c'est... D'accord, c'est dans ce coup. Et ça... Ah, ça, je connais l'astuce. Ça, je connais l'astuce. Je vais appuyer dessus. Ok, ouais. Je vais appuyer dessus, ça va... De suite... activer un truc. Voilà, c'est ce que je pensais. Ouais. Ok, un petit coffre. 25 d'or, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai débloqué? La porte. Ok. Est-ce que je vois quelque chose d'ici? Oh, je vois de l'or là-bas. Je peux pas y retourner, je pense. Hein. Non, c'est mort. Non, c'est complètement mort. Ah, il y a de l'or. Je ne sais... Est-ce que j'ai loupé ou est-ce que j'irai plus tard? Oh, ça me fait peur. Ah. Ok. Go. Ok, jusqu'à ça se passe. Pas d'objet. Ok. Ah, il y a un caillou qui se bouge. Est-ce que... quelque chose derrière les cailloux, une petite zone. Non, pas une zone secrète. Non, pas de zone secrète. Je rappelle que dans ce jeu, les zones secrètes rapportent un bonus d'expérience. Ah, là aussi, il va se passer un truc. Oh putain. Oh.
Ah, la vache. Faut que je m'occupe vite. Impec. Ça va, ça se passe bien. J'ai un bouclier. Très bonne nouvelle. Est-ce que tu peux ramasser l'or, s'il te plaît? Non, ramasser l'or. Alors, ce petit bouclier. Ah non, c'est de la nourriture. What? Nourriture, ça me rend combien, ça? Sachant que Pépin me redonne un peu de vie. Une partie de la santé. Ah, c'est... Ok, petit et moyen. Je vais quand même rester sur... Alors, attends, faut que je me souvienne comment je ramène ça. Non, je veux pas les poser au sol. Bon. Faut que je retrouve dans le manuel comment on fait. Dommage. J'ai déjà trop de pommes. Là, je sais qu'il faut pas utiliser l'épée. Encore de la nourriture. Ça veut dire que je vais sûrement affronter un boss. Et pas un petit boss. Ok. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Continue. Ah. Une salle piégée. Ok. Putain, mais y'a une pomme juste là. Hop. Ah. Attendez. Je tue quand même les ennemis. Un petit peu d'XP. Ça fait pas de mal. Bon, ça se passe. Oh, y'a une potion là. Un truc étrange. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Je l'ai pris? Oui, je l'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Un antipoison. Très, très intéressant. Et en plus, il s'est mis juste là. Alors, si vous êtes empoisonné. Alors, le poison, l'effet du poison tel qu'il est dit dans le manuel. Soit, je n'utilise pas d'antipoison et j'attends que ça s'estompe naturellement. Soit je meurs, soit j'utilise un antipoison. Ah ouais, là on me donne quand même pas mal de choses, surtout de la bouffe. Bon, pour l'instant ça se passe, pas de salle secrète, ok. 250 d'XP, ça va, ça se passe. Je pense que j'ai bientôt fait le tour là. Toujours pas de salle secrète, je vais faire une vraie sauvegarde. Non, une vraie sauvegarde, s'il te plaît le jeu. Voilà, hop, juste là, sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ok, ok. Alors, déjà, on récupère tout ce qu'il est possible de récupérer. Niveau soins, déjà, je suis pas trop mal. C'est une pomme. Ok. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai... Ok. Ça, ça se fait. C'est juste ça? Non, il y en a un autre là. Ah, il m'a mis un petit dégât. Voilà. Et là, il y en a un dernier. Hop, on esquive. Ah, ça court vite quand même. C'est un peu difficile. Arrêtez de courir, messieurs, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? De l'or. C'est quoi? C'est une pomme. Encore une pomme. Bon, j'ai pris un petit dégât. Je vais me permettre de manger la pomme. Je vais pas manger la pomme. Non, je vais pas manger la pomme. Non, je vais pas manger la pomme. Ok. Je suis à combien d'XP par hasard? Ouais, je me pose cette question que maintenant. Ah, je suis à plus de la moitié. Très bien. Pour le moment, tout se passe très très bien. Ok. Ah là, je sens qu'il y a un truc qui va arriver là. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ok, je suis sorti, je fais tout le tour. J'aurais quand même que je n'oublie rien. Oh, il y a de l'or là-bas. Oh non. Oh, il y a de l'or. Attendez. Ouf. Ouais, je me suis pris un dégât. Ah, il y a de l'or là-bas. Attendez que mon téléphone sonne. Oui. Excusez-moi. C'est vrai. Pour ce petit chat. Ok. Ok, pour le moment, ça va. Je prends des risques inconsidérés. Je vais manger des pommes. Voilà, je vais laisser ça là, de toute façon. Hop, allez. Oh là là, l'échec. Aïe. C'était ton destin d'échouer à Dunmire et de connaître une si terrible agonie. Orandus ne résistera plus longtemps face à moi. Ceci marque l'avènement du règne ténébreux des nécromanciens et de ma domination incontestée.
sur Nox. Bon, dommage. J'ai bien fait de sauvegarder. J'ai très bien fait de sauvegarder. Ah non, faut qu'on se tape ça. Bon, ça va aller vite. Voilà, dégage. Meurs, s'il te plaît. Voilà. Et aussi, meurs. Voilà, merci, bonsoir. Ah, je suis déçu. Ah là là, je l'avais. Je suis certain que je pouvais l'avoir. Ah, je suis pas content. Je suis sûr que je peux l'avoir. Je suis vraiment certain de pouvoir choper l'or. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas dû bien cerner. Mais franchement, ça m'étonnerait. Ah, décevant. Décevant que tout cela. Mais quand même 20 000 dégâts. Juste sur la lave, ça pique. Il y a forcément quelque chose que je peux faire. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, je laisse de l'or sans savoir comment le prendre. Là, il y a quelque chose. Alors, je vais essayer plein de choses, de toute façon. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien et je suis presque décédé. Heureusement que j'ai beaucoup de pommes. Ah, ok. Bon. On va éviter. Mais je veux savoir quand même ce qui se cache. Non, mais par contre, non. Alors, non. Attendez. Hop, charger, s'il te plaît, je vais me charger là rapide. Oui. Merci, sauvegarde rapide. Là, qu'est-ce. Ouh. Ça. Alors, ça. Ça sent l'énigme. Ça, je connais. J'ai déjà vu des jeux qui ont ce genre de choses. Ah non. Non, c'est juste ok comme ça, très bien. Bon bah on casse tout, hein. Attends, je prends l'or. Putain, le curseur par contre, pas ouf. Ah, une autre potion. Très intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un. Ça je vais. Si je l'active, ça va me faire quelque chose. Ok, ah là là. Ah, décède. Oh ouais, yeah. Ah, au secours. C'est pas V, c'est X. C'est X. Ah, y a moyen de faire quelque chose. Attendez. Ouais, attendez. Y a moyen de faire un truc là. Vas-y, viens dans les pics. Yes, viens dans les pics. Oh là là, le génie. Mais quel génie. Par contre, ça fume. Est-ce que c'est du poison? C'est complètement du poison. Bien vu, l'aveugle. C'est complètement du poison. Ok, donc il drop rien. Ah bah j'ai un peu flippé. Je cache pas que j'ai un peu flippé. Là c'est clairement pour aller de l'autre côté. Non mais je passais. Et je passais. Non les gars. Putain, pour rien. Pour rien du tout. Petite pomme. Je profite. Non, c'était pas ce que je voulais. Voilà. Non, ici. Ok, j'arrive à la fin. Oh shit. Ok, je l'ai. Ça passe. Ça passe. C'est passé. C'est entièrement passé. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça du tout. Il y a un truc caché par là. Non. Rien de caché. Rien de caché. Ok. Rien de caché. Oh. Oh, j'ai gagné. Alors, niveau rage de guerre. Vous pouvez à présent lancer. Tête première dans la mêlée, vous pouvez déplacer un peu, ça vous aide mieux avec une force prodigieuse, mais attention, vous risquez de vous assommer si vous rentrez dans un mur. Ah, et je débloque mon premier sort. Alors attention. Et bah. Ok. Ah oui, donc. Je perds de la vie. Et ma vie remonte tout doucement. Ça, c'était pas marqué. Alors, qu'est-ce que je gagne? De l'or. Et. Le.
Ah, un parchemin sur la créature troll. Les trolls ont mauvais sont toujours au même moment. L'homme a le droit d'exercer leur adversaire. Écartez-vous l'un d'entre eux. Lorsqu'un d'entre eux meurt, qu'elle déclenche des gaz toxiques. Pas mal, pas mal du tout. Pas mal du tout. Félicitations, guerrier. Tu mérites ce titre sans le moindre doute. Impeccable. Dub. Bien, je vois que tu t'en sors indemne. Beau travail, mon garçon. Super. Pendant que tu participais à l'épreuve du donjon, l'ascenseur express s'est bloqué, emprisonnant Gérard dans la salle de commande, sous la ville. Orandou s'inquiète du sort de notre technicien en chef. Nous ferions bien de descendre dans les profondeurs sous la ville afin de retrouver Gérard. Ok, donc ça c'est dans mon journal de quête. Sauvegarde des égouts de Dunmir. Alors avant, mon petit pote. Voilà. Je vais récupérer une pomme. J'en ai combien des pommes là? J'en ai 9, c'est bon. Mais aussi, je vais profiter du fait d'avoir quand même 400 balles pour avoir un meilleur stuff. Ouais. C'est pas good, c'est pas ouf ça. Toi. Personne ne vous fera de meilleur prix. Alors, toi tu en... rien du tout. Les brassards du cuir, j'en ai une aussi. Il n'y avait pas un autre marchand un peu plus bas? Si, un marchand juste en dessous. Non, te mets pas dans le mur. Enfin, lui, il vend des trucs bien. Salut. Je vous salue, seigneur. Vous avez besoin d'armes? Oui. D'armure? Vous avez frappé à la bonne porte. Ce que j'ai, c'est une épée en cuivre. Je pourrais monter à une seule épée en cuivre. Donc je passerai d'une attaque de... Ça fait 7 celle-là? Mais non, sérieux? Genre Ah oui, ma force qui a augmenté, ok. Donc là, je passerai de 7 à 7,82. Oui, bon, pas ouf comme, comme changement. Je pourrais techniquement prendre un bouclier. Ce serait vraiment une bonne chose, un bon investissement. Pour ce qui est des vêtements, alors attends, ça me donne 10. Là, je suis à 20. 20. Là, je suis à 20, 28. Alors que normalement, je suis à 10, 10. Ok. Ça, c'est. Paire de bottes. Oui, bof. Par contre, le casque. La coiffe de cuir, ça m'intéresse beaucoup. Ce que je vais faire déjà, c'est acheter. Cette chemise, ouais, une seule, et le pantalon. Donc là, si j'observe mes stats, je suis à 190 d'armure. Faut que je quitte, évidemment. Ouais, je quitte, et si je m'équipe en mettant ça et ça, je passe à 210, qui est franchement pas mal. Je vous salue, seigneur. Du coup, vous avez besoin d'armes, je vais vendre. D'armure. Je vends ça. Vous avez frappé à la bonne et je vends ça. Parfait. Puis en plus, je gagne plus. Je vous salue, beaucoup seigneur. Plus. Vous avez besoin d'armes, d'armure. Le manteau. Le manteau, il pourrait remplacer quoi par contre? Mais on fait un peu de managing. Là par contre, cette tenue de cuir, je vais la garder pendant un très très long moment. Là, qu'est-ce qu'on a? On a deux paires de bottes. Pourquoi on a deux paires de bottes? Je ne sais pas. La coiffe m'intéresse beaucoup. La coiffe m'intéresse beaucoup, sachant que je ne crois pas avoir de oui, j'ai pas de coiffe. Donc du coup, on va acheter la coiffe. Voilà, et équiper. Je pense qu'on est pas mal, là. On est à combien? On a 200. Ouais, parfait. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas vu que... Ah oui, j'ai pris quand même pas mal en force. Et en 14 points de vie en plus. Pas mal, pas mal. Ok, je pense que je suis bon. Je pense que pour le moment, je vais rester sur cet équipement précis. Alors, la machinerie, elle est là-bas. Et lui, il vendait quoi? Il faut qu'il vendait des trucs bien aussi. Ok. Est-ce que tu peux me réparer mon épée, par contre? Hop, réparer l'épée, réparer le bâton, et réparer la tunique. Parfait. Parfait.
Ça se passe bien, pour le moment, ça se passe bien. Seuls les guerriers accomplis peuvent entrer en ce lieu. Eh ben écoute, je pense que je suis passé à Prontigar. Est-ce que ça a changé? Je sais pas. Je vais faire une petite save. Alors, citadelle, non, c'est même pas ça que je vais aller. C'est au-dessus. Ouais, c'est au-dessus, il y avait un mur. Ok. Donc là, c'est ouvert. C'est compliqué. Grimpe sur l'ascenseur de service. De là, nous pourrons atteindre la salle de commande en passant devant les égouts. Ok. Alors, du coup, tac, tac. Je vérifie qu'il n'y a rien à voler. Je vais faire une vraie save. Est-ce que je peux renommer mes saves par contre? Non, je ne peux pas renommer mes saves. On saura que c'est celui-là. Et on y va. Je te. Par la malle mort. L'ascenseur de service est également en panne maintenant. Je vais tenter de trouver un autre moyen de descendre. Toi, trouve Gerhard. Ok. Bon, alors je vous annonce déjà que nous sommes bien au-delà du dernier épisode. Donc on est parti pour un donjon. Petite save. Alors maintenant j'ai appris hein, le jeu vidéo m'a appris qu'il faut faire des vrais saves en plus des saves rapides. Ah ok. Ok, ça a chargé, je crois. Un peu bizarrement. J'ai pas ma map, j'ai oublié de mettre la map. Ok, ça sent le piège, c'est bien ce que je pensais, il y a un piège. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Utiliser les potions rouges pour récupérer des points de vie. Ok. Ah par contre, ce qui se passe, je viens de comprendre. Je viens de comprendre comment ça fonctionne, l'inventaire de... Enfin, l'emplacement rapide de soins en gros. Il va mettre les objets les plus forts en premier. En ce cas, ça me redonne quasiment moitié de ma vie. Et les objets les plus faibles juste après. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de... Le mur caché. Ok, à droite. Ou à gauche, sachant qu'à droite il y a une porte. C'est quoi ça? C'est un ennemi? T'es un ennemi, copain? T'es un ennemi, ouais. Je sais pas, oula. Je viens de voir un piège. J'ai vu. Oh là là, mais quel piège de bâtard! Qu'est-ce que. C'est quoi celui-là? Araignée, tenez-vous à l'orange de ces créatures, morsure empoisonnée. Je pense que j'avais deviné. Je pense que le principe d'une araignée, c'est au moins de te piquer très très fort dans la bouche. Et là, je débloque un truc. Je débloque. Ah putain. Ok, ok, ok. Mais là, il y a rien en fait. C'est ça. C'est ça l'arnaque. Si, il y a quelque chose. Ok, il y a de l'or et une araignée. Dégage. Ok, et un mec mort. Pas un mur, pas de mur. Ok. Ok, ok, donc là du coup c'est juste la salle de commande. Je bouge tout au fond. J'ai vu un truc. Excusez-moi. Ah, la suite. Pas d'objet. Deuxième étage. Pas grand chose ici. Encore un parchemin de créature, dis donc. Sangsue géante. Partout où vous vous trouverez dans l'eau, vous risquez de rencontrer cette répugnant parasite, tu sors de son. Yes. Oui. Ouais, tout à fait. Bon, ça veut dire fais gaffe frère, y a de l'eau. Ça par contre, c'est quoi l'arnaque? Oh 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 oh. Ok. Ok, j'espère que personne n'a peur. Ok, d'accord, je me. Ok. Ah, là par contre, on se met sur le côté. Ça va revenir. Ouais, je l'avais dîné. Ok, ok. Je m'en doutais, c'était friable. Je le savais. Par contre, je vois rien du tout. Je sais pas, mais je pense l'avoir vu. Que c'était un petit peu friable. Oh là là, je l'ai vu. Je l'ai senti. Je suis en train de me perdre, par contre. Là, il y a quelque chose, un coffre.
avec des araignées. Ça m'a surpris. J'avoue, ça m'a surpris. Là, il y a une autre salle. J'entends quelque chose. J'entends. Je suis où là? Voilà, deux sangsues. En douceur. Ok. Autre sangsue. Qui est. Elle essaye de me prendre à revers. Je le vois tellement fort. Ok. Ok, bon, c'était une salle secrète. Qui était aussi un raccourci. Il y a une grenouille. Grenouille ? Copain grenouille ? Pourquoi je la sens pas, elle ? Dégage. Alors ça, ça fait quoi ? Ok. Ça fait ça. Meurs ! Meurs ! Voilà. Comment on se débarrasse des sangs sud ? Merde, par contre, arrête de faire n'importe quoi. Ok. Sens... Ok, ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez. Ah, oh, mais au secours. Attendez, je vais juste entendre un truc. Hop. Là, elle remonte. Là, elle descend. Je prends la pomme. Je prends le coffre. On me dit clairement, frère, fais gaffe. C'est clairement ce qu'on est en train de me... Oh, il y en a deux. Oh, il y en a deux. Je suis tellement pas rassuré. Allez, go première. Ok, bon, finalement, ça s'est mieux passé. Vas-y, viens, 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 viens. Allez. Dans ta bouche. Non. Non, s'il te plaît. Merci. Reviens, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est la suite. C'est assez grand et labyrinthique. Oh mon dieu, une chauve-souris! Ah, une chauve-souris, par contre, ça craint. Toujours de l'or. Je suis à combien d'or? Attends, je suis bientôt à 500. Je vais peut-être penser, si j'ai assez d'or, à m'acheter une meilleure arme. Là, très clairement, il y a... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, le message, il veut dire attention. Le mécanisme, il va servir pour un boss. Putain, tu m'as eu à revers. Porte-clé d'argent. Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oh putain, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai senti tellement fort, vous avez remarqué? Zblu! Ah bah, mince. Ah, quel dommage. Je l'ai senti, mais tellement fort. J'aurais tellement eu aucune chance contre ce truc. Ok, ça se passe bien. Elle est où la clé? Elle est la clé? Ouais, allez, dis-moi qu'elle est là. C'est pas la clé. C'est pas la clé. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Quelqu'un m'entend? Je suis ici. Ah, salut copain. Oui. Oh. Ah, c'est toi. Tu as passé avec succès l'épreuve du donjon. Il y a des bestioles vraiment terrifiantes par là-bas. J'ai dû m'enfermer pendant que je travaillais dans la salle de commande. Tiens, prends cette clé et refais le tour jusqu'à la grille fermée. Ok. Ah, ça va sauvegarder beaucoup. Quelqu'un là? Oh putain. Elle m'a fait peur. Elle m'a fait tes peurs. J'ai flippé, je me suis dit, tiens, la porte s'ouvre. C'est quoi? Oh, une clé. Clé d'argent encore? Oh, chat, 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 chat. Merde, trop tôt. Ah non, il est mort. Par contre, le scorpion, vite, vite, vite. C'est bon, ils ok le scorpion. Ouah, ça fait peur, là. Je suis pas bien. Je suis tellement pas bien. Bon, ça, je peux le faire. C'est bon, je...
On est dans une ambiance un petit peu étrange là. J'aime pas bien ça, j'aime pas trop beaucoup ça, comme dirait l'autre. Moi je suis un peu flippette man là. La musique n'arrange pas du tout les choses. Je pense qu'en termes d'or là, je peux me permettre d'acheter une meilleure arme après. Ah, je peux pas casser ça, ok. Là, s'il se passe pas un truc, je comprends pas. Sauvegarder, nouvel emplacement. Ok, il y a Gerhardt. Je casse tout, hein, Gerhardt, tu m'en veux pas. S'il te plaît. Gerhardt, mon copain. Je suis impressionné par la manière dont tu es venu à bout de ces bestioles. Voici mon plan de sortie. J'ai bricolé l'ascenseur express afin qu'il nous permette de sortir. Mais il faut pour cela appuyer simultanément sur ces deux boutons rouges. Attends que j'ai appuyé sur mon interrupteur, puis appuie sur le tien. Ok, ça m'a l'air d'être un plan... Attends, il y a des objets Gerhardt. Allez, appuie sur le bouton. Attends, il y a des objets Gerhardt. C'est quoi ça? Ok. Vas-y. Ça marche! Ça marche! Passe devant. Wow, 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 wow! Eh, fais gaffe, hein, ça c'est une... je connais la technique. Wow, je sens le piège. Non, c'est bon. Grâce au ciel, vous êtes tous les deux en vie. Tu es digne du titre de chevalier ardent, mon ami. Orandus te sera reconnaissant d'avoir ramené notre technicien en chef, sain et sauf. Merci. Merci, jeune guerrier. Voilà deux fois que tu viens à mon secours aujourd'hui. Ah, mais de rien. Quelque chose tourne de travers dans ce pays. Une flopée de galopins a semé désordre et chaos dans tout X. Ils ont volé le sceptre de l'édile Théograin. Ils ont l'incroyable audace de le garder dans le cimetière d'X. Un chevalier ardent, aguerri, a été dépêché sur les lieux afin de retrouver le sceptre. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles de lui. Le pire est à craindre. Le choix d'Orandus s'est à présent porté sur toi, un apprenti chevalier. Tu dois penser que tes origines mystérieuses seront un avantage. Mets-toi donc en route en direction du cimetière d'X. Trouve le sceptre et mate ces stupides galopins indisciplinés. Bien, et ben voilà, ce chapitre est un petit peu plus long quand même, mais fort sympathique avec ce donjon qui m'a fait pas mal peur. J'aurais pu utiliser le sort. J'en ai pensé que maintenant, faut que j'y pense la prochaine fois. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cet épisode de Nox en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous intéresse. Le jeu est dispo sur GOG, mais en version anglaise, hélas. Ou bien sur Abandonware si vous voulez, mais bon, GOG, c'est quand même un petit peu mieux. Si vous avez des stratégies ou des conseils, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez aimer la vidéo avec le petit pouce bleu. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne. Toutes les vidéos sortent les mercredis à 15h30 et me suivent sur Twitter et Instagram, je suis le plus présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Nox.